Suite à la montée des attaques contre les éco-gardes au parc national de Virunga, le commandement des opérations Soukola 2 tient à mettre fin à l'activisme des groupes armés dans ses patrimoines. Selon le major Guillaume Njike Kaiko, porte-parole des opérations militaires dans ces coins du pays, l'armée ne permettra pas qu'un groupe d'individus puisse ravager ces sites touristiques. Cet officier supérieur des FRDC a répondu à la caméra de Patrick Sialoura. Oubliez qu'il n'y a pas de cela trois semaines, nous avons été traqués le Nyatura, la coalition Nyatura FDLR à Niamey-Tuitui. Donc nous sommes en train de continuer la mission qui nous a été confiée par la hiérarchie. Laquelle mission consiste à traquer tous les groupes armés sans distinction aucune, mais aussi partout où ils se trouvent. Que ce soit dans le parc, que ce soit en dehors du parc, la mission est la même. C'est de mettre fin à l'activisme des groupes armés. Mais il est aussi important que je vous dise que, écoutez, nous n'allons pas, nous en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, au regard évidemment de notre mission, laisser qu'on détruise ce patrimoine commun qui est le parc national de Virunga. Quel que soit le tout ce qu'on peut avancer comme argument, comme justification, en tout cas, au regard de notre mission, nous n'allons pas admettre qu'on détruise ce patrimoine qui appartient à l'humanité tout entière, tout en appartenant bien sûr à la République démocratique du Congo.